Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous faire découvrir aujourd'hui une des innombrables facettes des métiers de l'informatique. Dans cette vidéo, vous trouverez l'une des 6 interviews subventionnées par la Fondation Blaise Pascal dans le cadre de son appel à projet 2019-2020. Sans plus attendre, nous passons la parole à notre invité. Bon visionnage! Moi, mon métier en game design, c'est mettre en place des règles pour faire un jeu marrant. Moi, je dirais, c'est créer la logique qui fait que l'ordinateur fait ce qu'on attend de lui et que le jeu fonctionne. Donc moi, c'est Lola, alias développeuse du dimanche sur Internet. Je suis game designer de formation et de profession, et depuis 4 ans maintenant, je fais des jeux en indépendante, et je raconte un petit peu comment je fais pour développer des jeux sur ma chaîne YouTube, donc qui s'appelle Développeuse du Dimanche, et je travaille avec Samuel sur mes projets. Aka Samuel du Dimanche. Moi, ma formation, c'est j'ai fait une école de commerce, donc rien à voir avec l'informatique. J'ai fait plusieurs stages et j'ai bossé un petit peu comme consultant, ça m'a pas plu. Au final, c'était le moment où Lola se lançait dans le développement de son jeu, de son premier projet, et j'ai remarqué que je pouvais l'aider sur la partie programmation. Et donc, j'ai pris le relais là-dessus. Elle, du coup, maintenant se consacre plus qu'au game design, graphisme, tout ce qui n'est pas programmation, le reste, c'est moi qui fais. Voilà. Et du coup, les gros projets sur lesquels vous avez bossé dans le cadre du projet de la développeuse du dimanche, c'était quoi? Alors, on a commencé par un premier jeu qui nous a pris un bon moment, qui s'appelait Propaganda, qui est actuellement en pause, puisque, erreur de débutant, on s'est dit « Ouais, on va faire un jeu avec plein d'animes à faire, plein de boss, plein de niveaux. » Et au bout de 3 ans, on était loin, même d'une bêta, je pense. Donc, c'est ça. On avait quelques niveaux de fini, mais on avait été beaucoup trop ambitieux. Ouais. Le fait, si on avait eu à la rigueur une troisième personne qui soit 100% sur les graphismes, ça aurait peut-être été possible. Ouais, mais là, on avait trop de casquettes à jongler, c'était pas possible. C'est ça, donc grosse erreur pour le premier projet qui est actuellement en pause. Et ensuite, on s'est dit, on veut faire un jeu vachement plus court à produire parce qu'on a envie de sortir un truc, quoi. Ça fait bientôt 4 ans qu'on est là. Si on n'a rien sorti, c'est chiant quand même. C'est pas crédible. C'est pas crédible, c'est ça. On avait besoin de notre petit badge de développeur indépendant. Et du coup, on a sorti Puppy Cross en février dernier, qui là est un jeu totalement différent, parce que Propaganda c'était un run and gun, jeu de guerre avec un propos narratif fort. Là on était plutôt sur un petit jeu de puzzle, style du coup Nonogram Picross pour celles et ceux qui connaissent, avec des petits chiens mignons. Voilà, le but c'était juste de faire des puzzles et de collectionner des chiens. Et ça on en est content parce qu'on a mis genre 6 mois à le faire. Ouais, on a réussi à le finir, on a quand même débordé parce qu'on n'avait pas prévu 6 mois, on avait prévu un peu moins. Ouais. Donc c'est pour dire que ça déborde toujours. Je crois qu'on avait même prévu 3 mois à la base, donc ça a bien doublé. Hein. Après, c'est vrai qu'on a rajouté un DLC, bref. Et donc là, du coup, on s'est lancé dans un nouveau projet maintenant, un peu plus ambitieux que Puppy Cross, ouais. Mais quand même sans doute un peu moins que le premier, donc on pense que c'est faisable. C'est ça. La seule grosse ambition, c'est qu'on passe sur un nouvel engin en 3D, donc beaucoup de challenges là-dessus. Ouais. Mais il y aura moins d'animation, moins d'IA à programmer, donc on se dit que c'est sans doute beaucoup plus faisable. C'est ça, là on part sur un jeu plutôt d'exploration narratif qui se passerait sur Mars, où on incarnerait le petit rover Opportunity dans une réalité alternative ou potentiellement possible, dans laquelle on se dirait, mais s'il avait juste perdu le contact avec la Terre et qu'il n'était pas du tout hors service, voilà, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'il pourrait ramener des preuves de trucs sympas sur Mars? Et donc voilà, on est là-dessus pour le moment. Ok. Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans, dans ce que vous faites? Ça, c'est une bonne question. Moi, ce qui m'a plu... Bon, déjà, j'aime les jeux vidéo, j'aime y jouer depuis aussi loin que je me souvienne. Donc, moi, j'ai toujours voulu faire de ça mon métier. J'ai pu tester le monde du studio de jeux vidéo avant, qui est sympa, mais qui est quand même assez différent parce que, bah, fatalement, on travaille en équipe, il y a des enjeux économiques, donc... on est moins libre de créer ce qu'on veut, c'est un peu plus stressant. Quoique, le stress, on pourra peut-être en reparler. Mais en gros, quand je suis partie en indépendante, moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment cette idée de dire j'ai un projet créatif dont j'ai plus ou moins
tous les enjeux qui me reviennent, c'est moi qui vais pouvoir prendre des décisions sur la direction artistique, sur la narration, sur quel techno on veut utiliser, quel style de game design je veux faire. Et moi, je trouve que c'est ça le plus intéressant, c'est de se dire, on s'en fiche, on va pas trop prendre en compte des potentielles histoires d'argent, de remboursement, de machin, quel jeu il faudrait faire pour être rentable. On fait ce qu'on aime. Et si ça marche, ben on est très content. Et puis bon, on accepte le risque que ça soit un peu niche et c'est pas très grave. Mais c'est vraiment ça, ouais, que j'aime. Et toi, je sais pas si c'est pareil. Mais... Bah pareil, hein, l'idée de participer à une œuvre un peu, enfin une œuvre d'art. À la base, moi, quand j'étais petit, je voulais écrire un livre comme plein de gens. Je le ferais sans doute jamais. Mais faire un jeu, pourquoi pas. Et donc, on a déjà fait un. Donc déjà, ouais. Une pierre à mon héritage. Et puis bah, il y aura les ceux d'après. Donc en vrai, ça joue vachement. Et ouais, j'ai appris à aimer, à me rendre compte que le développement, c'était très chouette. Et c'est vachement plus proche. Je crois que je me suis juste mal orienté dans le commerce. J'étais pas au bon endroit. C'est pas grave, parce que t'as quand même apporté des trucs. Ouais. Et puis tu t'en sers pour nous aider sur les projets maintenant. Ah oui, carrément. Puis l'avantage en plus avec la programmation, c'est qu'il y a moyen d'apprendre un petit peu avec des ressources sur Internet, contrairement à plein d'autres boulots. Donc, ouais. C'est sûr que. Sur le jeu vidéo, pour à peu près tous les métiers, il y a moyen de se former tout seul et ça, c'est vraiment kiffant. Ouais. Après, il y a des tutos pour faire des poteries sur YouTube. Il oui, y a tout. C'est vrai. C'est vrai tout. Je ne sais pas quel métier on ne peut pas chirurgien. Se former. Oui, ok. Ah oui. Ok, c'est vrai. Les études de médecine, effectivement, ça ne marche pas très très bien. Question suivante. Pouvez-vous nous dire comment vous êtes arrivé là, votre parcours en fait, pour arriver jusqu'à ça? Moi, j'ai fait un parcours un peu rapidos. J'aime pas trop perdre du temps. Alors, j'ai fait lycée, j'ai passé mon bac et après mon bac, je me suis dit bah école de jeux vidéo. J'ai vu que ça existait, donc j'ai fait parfait. Je suis allée en game design. En fait, à la base, je savais pas trop ce que c'était, mais j'y suis allée quand même. Et heureusement, ça m'a plu quand j'y étais. Mais à l'époque, c'était moins clair, je trouvais, dans l'esprit général, ce que c'était le game design. Moi, je croyais que c'était plus directeur créatif que vraiment se baser sur les mécaniques pures et faire des systèmes et tout ça. Mais finalement, je m'en suis plutôt bien sortie. J'ai fait mon cursus qui s'est plutôt bien passé. J'ai fait un projet de fin d'études. Avec des potes, c'était super. Enfin, c'était la première fois que j'avais carte blanche sur un projet. C'est là que je me suis dit, ouais, c'est sûr, c'est ça que j'aime faire. Donc, j'étais vraiment trop contente d'avoir fait ça. Et après, j'ai eu mon diplôme et j'ai trouvé du boulot en tant que testeuse à la base. J'ai commencé comme testeuse. Et respect à tous les testeurs QA de jeux vidéo parce que... C'est ingrat. C'est vraiment des ingrats, ouais. T'es mal payé, ça prend la tête au bout d'un moment, et... alors que t'es indispensable, c'est vraiment terrible. Donc voilà, respectez les testeurs qualité, ils ont beaucoup de mérite. Et après, heureusement, j'ai pu changer dans la même boîte. J'ai commencé en test qualité, puis ensuite j'ai fait game design, level design et un peu de narrative design, mais vite fait. Et j'ai bossé sur des jeux assez différents. J'ai fait des jeux de sport, des jeux de survie avec des zombies, des petits jeux de puzzle avec des poissons. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Et c'était assez enrichissant. Mais je souffrais un peu de ce côté. Bon, il faut vraiment faire ce qu'on t'a demandé. Même si ton supérieur, parfois, il a pris une décision, tu sais qu'elle n'est pas vraiment la bonne pour le projet. Bah, tant pis, il faut faire avec parce qu'il l'a dit. Et moi, j'étais trop frustrée. J'étais pas prête pour le monde du travail, je crois. Ça me plaisait plus. Donc, je réfléchissais pendant cette période-là à ce que j'allais faire. Et j'avais envie de faire un projet de jeu indépendant dont on avait discuté il y a assez longtemps, qui était Propaganda. Mais j'avais pas vraiment de porte de sortie. Ça me faisait un peu peur de me dire, OK, je quitte tout et je lance un projet indépendant alors que j'ai jamais vraiment fait ça. Mais en parallèle de tout ça, il y avait aussi sur YouTube tout un mouvement qui incitait les femmes à se lancer en disant « Ouais, mais si vous faites autre chose que de la beauté, venez, il y a de la place pour vous aussi. » Et je me suis dit « Ça pourrait être rigolo de faire un mix des deux, comme j'aimais bien faire de la vidéo, en me disant « Ben, je vais développer un jeu indé et je vais raconter tout ça à travers un journal de bord vidéo, ça peut être sympa. » Et c'est comme ça, disons, que la chaîne est née et que notre... petit fonctionnement de travail a commencé à voir le jour. Au début, je pensais que je pouvais y arriver toute seule. Propaganda, j'ai tout commencé toute seule. Et puis au bout de peut-être 4
ou 6 mois, je sais plus, tu as fini par me rejoindre parce que c'était trop dur de tout faire. Et même si je m'en sors en programmation, je m'en sors vraiment trop lentement. Donc, c'était vraiment pas un bon move de continuer toute seule. Donc, c'est à partir de ce moment-là que toi, tu étais arrivée, quoi. Oui, et puis comme elle se servait d'un logiciel qui s'appelle Construct, où il n'y a pas besoin de connaître du code pur et dur, c'est du visual scripting, il y a juste des blocs à déplacer, de la logique de code. Bah, très très vite, j'ai pu m'y mettre et puis comprendre comment ça fonctionnait. C'est ça. Moi, je l'ai déjà dit, donc j'avais fait école de commerce, j'avais fait l'ESSEC, après prépa, et puis ensuite, j'ai fait 3 stages donc pendant ma scolarité, Ubisoft, Nintendo et GFK, donc c'était tout le temps dans le jeu vidéo, ça je savais que je voulais bosser dedans, mais c'était du market, c'était du contrôle de gestion, c'était un peu plan-plan, et en fait aucun m'a plu, et puis donc au final je suis sorti de l'école sans avoir trouvé en plus le job pour enchaîner directement. Donc pendant un moment j'ai rien fait, puis j'ai fait une année d'études complémentaires pour me remettre dedans à l'IEM pour devenir gestionnaire de projet. Et suite à quoi, ça s'est goupillé. Non, c'était même un peu avant que tu avais commencé à bosser sur ton jeu, je crois. Ouais, donc, je sais quand plus, j'étais ouais, déjà à l'IEM, j'avais commencé à t'aider. Mm-mm. Et puis finalement, je suis sorti de l'IEM, on a continué le projet vraiment à fond. Et je suis resté là-dessus. Donc, mon année d'études supplémentaires m'a pas été méga utile pour l'instant. Mais bon, ça reste des connaissances. C'est ça. Et que je peux appliquer au quotidien quand on fait de la localisation, des trucs du genre, si on a vu en cours. Ouais, et puis je veux dire, avoir quelqu'un qui est capable de faire de la gestion de projet, en vrai, c'est important, hein. Je veux dire, tu peux faire un très bon jeu si tu gères mal ta façon de bosser et tout. C'est vrai, après je suis pas officiellement le gestionnaire de notre projet. Non, mais bon, t'apportes des très bons regards que moi je n'ai pas. Oui, non, on se combine bien. Ouais. Parfait. Alors, globalement, l'informatique même, j'ai l'impression le domaine du jeu vidéo, c'est un domaine qui est quand même plus masculin que féminin. Et du coup, comment ça s'est passé, alors surtout pour toi, Lola, parce que t'as vraiment commencé là-dedans au début de tes études, comment ça s'est passé pour toi à ce niveau-là, en fait? Ouais, alors le problème du monde du jeu vidéo, comme tu dis, c'est qu'en fait, en vrai, c'est assez mixte. Disons qu'il y a toujours eu des femmes qui ont développé, qui ont fait des jeux. Le problème, c'est surtout la visibilité, puisqu'on avait tendance à pas vouloir trop en parler ni les mettre en avant, ce qui a créé cette espèce de perception comme quoi bah, les femmes sont pas là. Et même pour les joueuses, c'est assez récent, je trouve, cette idée que bah, en fait, c'est à peu près 50-50 en termes de proportion. Après, c'est vrai que ça se vérifie pendant les études et au sein des entreprises. On voit qu'il y a des répartitions assez genrées des rôles et des métiers. Moi, je sais que quand je suis arrivée en game design, sur une classe de, je sais pas, 25, on était genre 5 filles. Et plus ça allait, plus ça diminuait. Oui, c'était 5 la première année. C'était ça, c'était 5 la première année. Peut-être à la fin, on était 3. Donc, c'était étonnant, quoi. Quand t'es habitué au lycée à être dans des classes très mixtes, très paritaires, parce que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne tout le long de la scolarité, ouais, ça m'a fait bizarre d'arriver dans une classe où il y avait essentiellement des mecs. Après, je l'ai plus ou moins bien vécu dans le sens où je me rendais pas compte du sexisme quand j'étais plus jeune, parce que c'est tellement intégré que tu fais pas spécialement gaffe. Je pense que je referais mes études aujourd'hui, je pèterais des câbles, c'est sûr. Je dirais que le premier déclic que j'ai eu, c'était au moment du Gamergate. Parce que moi, c'est vrai que je terminais mes études quand c'est arrivé. Et un peu avant la vraie explosion du Gamergate, il y avait déjà des choses qui commençaient à arriver. Donc le Gamergate, c'était toute cette histoire voilà, de franges d'extrême droite dans le jeu vidéo qui était ultra virulente avec les femmes parce qu'il y avait eu des histoires de critiques d'un jeu. Bref, hein, c'était tout un foutoir, cette affaire. Mais en gros, moi, je m'en suis rendu compte qu'en en cours, un de nos profs avait sorti un article qui expliquait le problème du sexisme dans le jeu vidéo. Cet article, c'était plein de témoignages de femmes qui expliquaient ce qu'elles avaient vécu. Donc, ça allait autant du développement aux game designers qui pouvaient être sur des stands pendant des trucs genre la PAX ou la Paris Games Week et plein de choses.
Et moi, j'avais lu tout l'article et je me suis dit, mais oh, c'est pas normal, c'est incroyable, ça arrive à tellement de femmes, il y a un problème. Et j'ai entendu mon prof qui lui a dit, mais non, c'est pas un problème systémique, c'est pas du sexisme, c'est que des cas individuels, ils sont juste très nombreux. Et j'étais genre, là, mon cerveau, il a fait des liens. Je me suis dit, mais il y a un paradoxe quelque part, ça va pas, ça clique pas. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être quand même un pattern. Et c'est là que ça a commencé à germer et que ça s'est amplifié quand je suis arrivée en studio et que là j'ai pu constater voilà, ce genre de choses, quoi. Donc le prof, il vous a donné un papier pour le démonter. Oui, souvent il y avait ça. Pour vous dire, ça, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas du sexisme. Oui. Ok. C'est Oui. chaud comme On réflexion. avait même des cours, attendez, en game design. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le livre L'art du game design de Jesse Schell, qui est très connu. Où en gros ça donne des tips de game design. Il y a des très bonnes choses dans ce livre, mais il y a quand même tout un passage qui dit si vous faites un jeu pour les mecs, faites des trucs où il y a de la baston, de la violence, de la conquête, de la domination. Si vous faites des jeux pour les meufs, mettez des trucs genre les Sims, faites des puzzles, faites des mettez des trucs mignons. Et j'étais en cours et j'étais pareil. Ça a commencé à mouliner, je me suis dit, mais c'est bizarre comme truc, parce que moi j'aime bien les jeux de baston, donc je comprends pas. J'aime les Sims et Street Fighter, du coup, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc oui, il y avait des trucs, hein, clairement. C'est incroyable cette banalisation, quoi. Ah, mais à C'est. l'époque, c'était normal, on ne discutait pas de ça dans le jeu vidéo, c'était pas un sujet, quoi. C'était fou. C'est marrant le coup du prof, parce que quand tu racontes ton histoire au début, moi je disais, ah, c'était un bon prof, il vous a sensibilisé. Et après, je suis tombé de haut. Je me suis dit, ah ben non, en fait, non. Après, je pense que j'étais pas la plus à plaindre parce que dans l'ensemble, mes camarades de classe étaient sympas. Je me suis jamais sentie vraiment exclue ou diminuée, donc j'ai eu du bol. Après, c'est vrai que en programmation pure, là, c'était autre chose. On était sur une fille en première année. Je crois qu'elle a fini par lâcher la pauvre parce que la prog c'était un peu plus sévère niveau ambiance, quoi. Là, pour le coup, sa classe était moins sympa. Et par contre, en graphisme, c'était l'inverse. C'était plus de filles dans ces secteurs-là, parce que j'avais l'impression que c'était plus admis que, comme c'est artistique, peut-être, voilà, on va pas trop remettre en cause les compétences. Enfin, c'était vraiment très, très genré, c'était bizarre. Mais j'ai quand même, voilà, réussi à faire mon trou, à m'en sortir, arriver au bout. Et après, c'est vraiment dans l'industrie que là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, quoi. J'ai passé l'étape de l'école. Mais une fois dans un studio, pareil, j'ai retrouvé ce quota de. En gros, on était 5, et pareil, pour 30 en tout, dans le studio. Et ce qui était embêtant, c'est que il y a pas mal de femmes qui parlent du problème du sexisme environnemental. C'est-à-dire que ça va pas être forcément des injures directes ou des reproches directs, mais c'est vraiment l'impression d'être dans un vestiaire des mecs. Tout le temps. C'est ça qui est un peu spécial dans cette vision un petit peu caricaturée, voilà, où en gros dans l'open space, ils parlent un peu comme s'ils étaient qu'entre eux et parfois t'entends des trucs et t'es genre, waouh, d'accord, je suis là, vous pourriez quand même faire attention quand vous parlez, quoi. Et c'est vrai que ça m'a pesé sur le long terme et c'est pour ça que je suis pas restée et aussi pour ça d'ailleurs que je suis partie en indépendante parce que je me suis dit, bah, au moins mes collègues ils seront cool parce que ça sera moi. Donc. Disons que c'était une façon de faire, quoi. Mais j'ai quand même pu trouver un petit peu de refuge et de réconfort dans les assos, parce qu'il y a pas mal d'associations dans le jeu vidéo qui sont là pour aider les femmes, surtout les jeunes, parce que c'est difficile quand t'es en plus jeune, on met encore plus en cause toutes tes compétences. Et donc il y avait le RIJV, dans lequel j'étais très très impliquée fut un temps, je donnais des cours gratuits de Construct, on se formait des petits réseaux, c'était sympa. Et là récemment, il y a Women in Games aussi qui font pas mal de choses, disons, pour essayer d'aider et d'accompagner les femmes pour rester et se former, et aussi de dire au studio, bah, soyez cool, ça va profiter à vos jeux d'avoir des profils diversifiés. Et donc voilà à peu près moi mon regard là-dessus. Ça évolue très très lentement, mais j'ai l'impression que ça évolue un peu quand même. Donc voilà, on garde espoir, disons. Et toi, Samuel, du coup, tu t'es mis à la programmation plus tard. Donc Ah oui, bah, très tard même. t'as
T'as pas trop eu cette mentalité. Alors c'est vrai que la mentalité est quand même plus importante, comme tu disais, Lola, sur le côté informatique à proprement parler. Mais du coup, toi, au niveau de tes études, t'as senti une différence, même au niveau commerce? J'avoue, je connais pas du tout le domaine. École de commerce, pour le coup, c'est très mixte. D'accord. Je dirais, enfin, franchement, je crois que c'est du 50-50, mais même dans les entreprises de jeux vidéo, ça se voit dans tout ce qui est. Souvent, ce qui tire la moyenne aussi vers le haut du pourcentage de femmes dans l'entreprise, c'est qu'il y a aussi des femmes dans les métiers support et dans le marketing, tout ça. Donc, en commerce, j'ai pas trop ressenti ça personnellement. Il y a quand même des choses, enfin, comment dire, certains processus qui se passent, hein, il y a quand même un peu de sexisme dans la manière dont on sélectionne les gens, mais ça reste relativement équilibré à ce niveau-là. Et après, comme j'ai appris le développement en solo, bah, j'ai pas trop senti non plus qu'il y avait des problèmes. Enfin, j'étais pas au cœur du truc, quoi. Mais quand tu as fait après ta formation là de producteur, ça c'était plutôt jeu vidéo Alors c'est ça. vrai, donc quand j'ai fait mon année Ouais, ça. d'études supplémentaire, oui, là c'était vraiment jeu vidéo, gestion de projet, donc c'est vrai que c'est un rôle normalement, enfin, assez important, où la personne a pas mal de pouvoir. C'est vrai j'ai constaté ça aussi, effectivement, dans ce cursus-là, il y avait un quart, peut-être même pas, si un quart, deux filles, mais Ouais. voilà. Donc dès que c'est vrai qu'on arrive à un métier qui se rapproche du cœur du jeu vidéo et qu'il y a plus de pouvoir, ça réduit le pourcentage de plus en plus. D'accord. Ouais, c'est un peu comme dans beaucoup de domaines. Moi, je pense à la biologie comme ça. En général, pendant les études, un peu plus de femmes. Et au fur et à mesure, en fait, qu'on monte en études et on monte en responsabilité après dans le travail, il y a de plus en plus d'hommes, en fait. Le nombre de femmes diminue de manière très très importante. J'imagine que là, c'est un peu pareil, quoi. Ouais. Et puis il y a aussi un truc, c'est que dans le jeu vidéo, il y a un autre problème. C'est après sur les conditions de travail même. Le jeu vidéo, c'est très fatigant. Et il y a un moment où quand on arrive aux âges où les personnes veulent se poser, faire des familles, comme on est dans une société qui a tendance à mettre le poids de la gestion de la maison, de la famille, des enfants sur les femmes, bah c'est incompatible. C'est juste rester faire du crunch, tu peux pas quand t'es mère de famille. Donc il y a aussi ça qui fait que quand on va dans les métiers plus haut parce que c'est des années d'expérience, en fait les femmes tombent parce qu'il y a ce biais-là. Et il y a aussi le fait que nerveusement c'est déjà difficile. Donc quand on ajoute le sexisme, même en dehors de la sphère familiale, alors je sais pas, il n'y a pas vraiment de statistiques claires, mais on a remarqué avec les membres du RJV quand j'étais à l'époque qu'en général, c'est tu te barres au bout de 3 ans ou alors tu arrives à rester. Mais il y a un espèce de cap où au bout de 3 ans, en général, il y a des reconversions professionnelles parce que c'est difficile. De toute façon, c'est connu aussi que dans le jeu vidéo, de manière générale, il y a très peu de gens qui prennent leur retraite. Oui. Parce que souvent, on part avant. Oui, tu pars vers 30-40 max, puis c'est fini quoi. Ah oui, d'accord. Je pensais pas qu'il y avait un turnover aussi important dans ce Ah, c'est domaine-là. très 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 jeune comme milieu, tout simplement parce que bah on reste pas. C'est pas tenable, ouais. Et aussi, sans doute, que plus tu as de l'expérience, plus tu vas pouvoir le mettre en valeur et te faire embaucher ailleurs. Et être Oui. mieux payé, parce que dans le jeu vidéo, C'est c'est ça. connu aussi qu'à degré de compétence égale, tu vas être moins bien payé parce qu'il y a le facteur passion qui rentre en jeu. Tu aimes ce que tu fais, donc tu es prêt à accepter un salaire un peu moins élevé. Mais donc il y a des gens qui peuvent logiquement le faire un peu fructifier en partant ailleurs, et c'est Oui, complètement normal. il y a pas mal de développeurs parce que la programmation, quoique la programmation, ça fait partie des métiers plutôt bien payés dans le jeu vidéo. Après, ça dépend des studios, mais voilà, ça va être mieux payé dans tel secteur. Il y en a qui partent dans le cinéma parce que voilà, c'est mieux payé, ou alors qui partent à l'étranger parce que généralement au Canada aussi, c'est mieux payé. Donc c'est vrai qu'en France, ça vaut pas le coup en fait. C'est vrai de se donner autant de mal, d'être aussi fatigué parce que le salaire suit pas non plus quoi. D'accord. Ouais, c'est un peu comme la vulgarisation. En général, on fait ça par passion, donc derrière, c'est Oui, pas c'est forcément. ça. D'accord. Prof. Ouais. Où est-ce qu'on peut trouver votre travail en ligne? Alors, on peut trouver notre travail sur YouTube en premier, donc sur la chaîne Développeuse du Dimanche. Et là, globalement, il y a tous nos processus. On explique, on fait des vidéos sur bah, comment on a fait pour gérer tel moteur, pourquoi on a choisi de faire de la physique ou pas de la physique. Donc, on explique un petit peu chaque étape importante de chaque projet.
Sinon, on nous retrouve aussi évidemment sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, c'est là où on est les plus actifs. Donc moi, c'est @dev_dimanche. Toi, ça doit être sam_dimanche, un truc comme ça. Oui, je crois. Et sinon, on peut aussi retrouver notre jeu Puppy Cross sur Steam et Itch.io. Donc voilà, il suffit de taper Puppy Cross dans Google et normalement on trouve. et Twitch aussi. On fait un petit peu de Twitch de temps en temps. Ouais, ouais. C'est pas régulier, mais on est souvent sur Twitch. On apparaît, ouais, parfois. Et on a un Tipeee. On a un Tipeee aussi, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Être indépendant, c'est avoir aussi besoin d'argent. Ouais. Le Tipeee aide beaucoup. Alors maintenant, imaginons que quelqu'un veuille suivre un peu la même voie. Quel conseil vous lui donneriez? Ah, ça c'est une bonne question. Premier conseil, est-ce que t'es sûr? Parce que c'est vrai que c'est difficile, c'est fatigant, c'est parfois ingrat, c'est compliqué. Après, la question c'est aussi, est-ce que cette personne veut plutôt être indépendante ou en studio? Parce que c'est vrai que ça change pas mal de choses. Pour moi, la chose que ça change, point de vue conseil, c'est qu'il est tout à fait possible de se former en autodidacte et de faire des trucs très cool et de faire ses projets. Le problème, c'est que les studios ont tendance quand même à vouloir recruter des gens qui ont fait des écoles et ça coûte cher. Donc, c'est vraiment des compromis à faire et il faut être sûr de soi et à la limite, quitte à vouloir faire de l'indépendant, peut-être trouver un autre boulot à côté pour se former et ensuite faire des projets qu'on pourra mettre en avant. Mais ouais, j'ai du mal à encourager les gens à faire ça, parce que c'est vrai que c'est assez difficile, et c'est difficile de faire son trou, quoi, de se faire connaître, parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent tous les jours que c'est délicat. Après, il y a des gens qui arrivent à le faire sur leur, à faire des jeux sur leur temps purement libre. Enfin, on a un copain qui a fait ça. Ouais. Ça lui a pris des années et lui, il a fait tout en solo, même la musique. Ouais, quasiment. Donc, je crois qu'il y a eu un peu d'aide pour la musique, mais il a quand même fait des trucs. Donc, Ouais, donc c'est vraiment possible de développer son jeu indé, que ce soit à plein temps ou à temps partiel sur son temps libre. C'est ça. Donc, voilà. Après, si on veut le faire à plein temps, ouais, faut avoir des noisettes de côté pour pouvoir tenir le coup financièrement. Parce que nous, on a la chance d'avoir le Tipeee. Mais on a de la chance d'avoir le Tipeee et qu'il soit à un niveau conséquent, parce que sinon, Enfin, il y a plein de gens qui ne pourraient pas l'avoir, ce Tipeee. C'est ça. Donc voilà. Oui, en fait, il ne faut jamais se mettre en danger, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires comme celle de Macmillan et de Super Meat Boy. Regardez, c'est incroyable, il a eu un succès monstre, il a plein d'argent, ou alors... les gars qui ont fait Cuphead, c'est fou, ils ont hypothéqué leur maison, mais ça valait le coup, regardez, ils ont vendu leur jeu. Ouais, mais enfin, il y en a qui hypothèquent leur maison et ils vendent pas leur jeu, donc n'hypothéquez pas vos maisons. Vraiment, mettez des sous de côté avant de vous lancer, faites des petits boulots ou faites du freelance. Moi, je sais que ça m'a aidé de me dire, je suis game designer, je fais mes jeux indépendants, et quand il y a besoin d'un petit peu de sous, hop, petite mission freelance, quitte à mettre le jeu en pause un petit peu, histoire de réavoir des sous. Et sinon, on sait souvent aux débutants aussi, enfin aux gens qui se demandent si ça les intéresse de participer à des game jams. Oui, vrai. Parce que pendant 2 jours, t'es plongé avec une équipe, tu rencontres des gens déjà qui ont des métiers complémentaires et tu découvres ce que c'est que le développement d'un jeu. Tu peux peut-être garder contact avec les personnes avec qui tu as travaillé parce que donc les game jams en 48 heures on fait un jeu, voilà, sur un thème qui est donné au début de la game jam. Donc c'est vraiment très intéressant, je pense. Enfin, c'est un baptême du feu, et entre guillemets, si tu n'aimes pas la game jam, je vois pas pourquoi tu aimerais développer ton jeu à long terme, quoi. C'est ça, ça peut être un bon indice. Et puis sinon, un truc qui rentre en résonance avec la game jam, c'est commencer par des tout petits projets. Faites des mini-jeux, genre qui durent 15 minutes, histoire de vous faire la main, ou alors une heure. Mais partez pas dans des trucs faramineux, pharaoniques, pharafossettes, ce que vous voulez, je me perds dans mes mots. Mais en gros, ouais, faites petit, parce que c'est ça qui cause la démotivation, c'est partir sur quelque chose qu'on voit qu'on ne finira jamais, et se dire « Ah mais quand même, j'ai passé 3 ans dessus, si j'abandonne maintenant, ça veut dire que j'ai gâché 3 ans », c'était ce qui nous est arrivé avec le premier projet, donc commencez petit. Ouais. Mais ça semble parodique, mais le nombre de gens qui montent leur premier projet et disent ça va être un MMO plus grand que World of Warcraft, et c'est vraiment souvent, hein, c'est souvent le cas. Donc non, ne faites pas de MMO. Hop, ne partez pas. Du jargon informatique s'est glissé dans cette interview, notre invité vous explique tout. Ça veut dire quoi, game design?
En gros, le fait de faire du game design, c'est déterminer des mécaniques de jeu qui vont servir l'expérience qu'on veut transmettre à des joueurs. Ça va être toutes les règles d'un jeu, voilà, qu'on va mettre à la suite pour produire quelque chose de spécifique. Je vais prendre par exemple l'exemple du jeu d'horreur. Quels sont les ressorts que je vais pouvoir utiliser pour mener à la peur, par exemple, chez un joueur? Donc, c'est voilà, c'est du métier très papier. Hein. Le game design, c'est pas mal de poser des concepts, remplir des tableaux avec des statistiques pour mesurer un petit peu si une arme doit être plus forte qu'une autre. C'est vraiment tout ce qui va servir l'expérience du jeu, quoi. Après, pour le level design et le narrative design, est-ce que tu Ah, veux c'est toi qui as peut-être. fait une école de jeu, c'est pas Ah moi. oui. Et ben, le level design, ça va être construire et designer, donc ouais, faire de la conception, voilà, c'est plutôt ça, conception de niveau. C'est-à-dire que le game designer qu'on a vu avant, il va dire, je vais te dire que dans ton niveau, tu pourras mettre un bloc. Imaginons, on prend Mario, tu auras des blocs avec des champignons dedans, tu auras des boules de feu. Moi, j'aimerais bien qu'il puisse y avoir des trous ou qu'il puisse y avoir des pics. Donc, le game designer, il met tout ça en place. Et le level designer, lui, il va prendre ses blocs et il va jouer au Lego et il va construire un niveau. Ça, c'est le level design. Et le narrative design, c'est ce qui va se rapprocher du scénario et ça va être tous les éléments que je peux utiliser pour transmettre une histoire. Ça passera de la cinématique au dialogue, parfois à l'environnement, à la direction artistique. Et donc, voilà, le travail du narrative designer, ça va être de raconter une histoire avec le plus de moyens possible. Ça veut dire quoi, crunch? Le crunch, c'est que dans le jeu vidéo, souvent, on a une date limite pour créer le jeu et le sortir, qu'on annonce au public en général. Et plus la date se rapproche, plus on se rend compte que le jeu n'est pas fini et risque de ne pas être prêt. Donc du coup, on a tant de jours pour finir le jeu, donc au fur et à mesure, on va travailler de plus en plus par journée pour finir le jeu, au point que ça arrive à des journées... De 16 heures pour certaines personnes, enfin voilà, 16 heures, 7 jours sur 7, ou 6 jours si vraiment on a de la chance. Et pendant 2-3 mois, souvent, c'est, enfin, le crunch en général, c'est à la fin du projet. Et donc voilà, ça c'est assez dénoncé parce que ça représente une mauvaise gestion du temps et enfin que le management a été mal fait en amont. C'est pas normal que cette date soit maintenue alors que réalistement, il faudrait peut-être la décaler pour que les gens continuent à travailler dans les limites du droit du travail. Mais bon, traditionnellement, c'est pas le cas. On maintient la date coûte que coûte et on force les gens à travailler avec ce côté métier passion. Et les gens, en général, ne mouvent pas. Et en plus, c'est quelque chose que tout le monde fait. Donc, si on rentre chez soi à 18h ou 19h comme prévu, on a l'air d'être un lâcheur. Donc voilà, Oui, et puis c'est une atmosphère, quoi. il y a même un côté pas bizutage, mais quand tu as fait ton premier crunch, tu es considéré comme un vrai, tu es presque comme si tu avais eu un petit badge, quoi. Donc c'est aussi presque un rituel au sein des équipes. C'est voilà, socialement, c'est aussi quelque chose d'avoir fait un crunch, alors qu'en plus, il y a quand même des gens qui ont prouvé que le crunch niveau productivité, c'était pas terrible, parce que comme tu es fatigué et que tu travailles vite, tu passes du temps à réparer des boulettes que tu n'aurais pas fait si tu avais travaillé juste 7 heures et que tu avais dormi. Donc, il y a vraiment plein de raisons de critiquer le crunch et je suis contente qu'en ce moment, on en parle un peu plus d'ailleurs, c'est bien. D'ailleurs, je voudrais clarifier qu'on recommandait les game jams aussi à un moment, Oui. mais d'une certaine façon, on peut critiquer le fait que les game jams, c'est presque une simulation de crunch, parce que sur 2 jours, on bosse énormément. Donc, faut faire attention à ça. Il y a des game jams qui recommandent pas justement de travailler autant. T'as des game jams qui sont plus responsables et plus, parfois qui s'étalent sur 3 jours et qui disent, bah, ne travaillez pas après telle heure. Enfin, pensez à vous, reposez-vous, buvez de l'eau, tout ça, quoi. Ouais. Donc, ouais, faut. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait faire souvent aux étudiants des game jams. Et c'est peut-être, en fait, le crunch s'installe dès les études. Du coup, on habitue les gens à faire Ah de oui. travailler autant. Donc, Mais faut faire attention. même en dehors des game jams, les projets de fin d'études, c'est des crunchs aussi. Hein, à la fin, moi, j'ai fait des soirées à nourrir de café, de Red Bull et pas dormir. Hein, malheureusement, c'est ça aussi.
Ah, du coup, c'est peut-être le cas de tous les projets de fin d'études, même pas forcément dans le jeu vidéo, quoi. Ouais, Ouais. Je suis clairement, en train de me clairement. dire, du coup. Bah, je suis sûr que dans l'informatique, enfin, les métiers qui livrent des projets, il y a ça aussi. C'est juste que dans le jeu vidéo, c'est systématique ou C'est quasiment ça. systématique pour chaque jeu. Donc, du coup, ça a un nom vraiment propre, quoi. Ouais. Mais chaque étudiant qui a voulu rendre un mémoire ou un rapport de stage qu'il l'a fait au dernier moment, sait normalement ce que c'est, mais bon. Mais en fait, le problème du jeu vidéo, c'est que c'est un tel chantier qu'en fait, faire une estimation raisonnable, je crois que c'est quasiment impossible. Je pense que personne n'est capable d'estimer au mois près combien de temps va prendre un développement parce qu'on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises, de trucs qui ne marchent pas comme prévu. Comme c'est quelque chose de très itératif aussi, le jeu vidéo, parfois il faut prendre le temps de constater qu'une mécanique fonctionne pas pour la reprendre. Donc c'est pour ça aussi, je pense que c'est intrinsèque au jeu vidéo, c'est que c'est quand même très particulier comme produit créatif, quoi, et que c'est impossible d'estimer clairement, et qu'en fait il faudrait accorder des délais juste de report. Il faudrait que ça soit inclus dans les projections et les budgets, quoi. Ça veut dire quoi, RIJB? Alors le RIJV, c'est le Rassemblement Inclusif du Jeu Vidéo, voilà, c'est ça le petit sigle. Et en gros, c'est une asso qui a pour but de faire en sorte que toutes les personnes marginalisées puissent accéder aux jeux vidéo ou être soutenues en travaillant dans le jeu vidéo. Parce que moi, je parle de mon problème en tant que femme dans le jeu vidéo, mais on a aussi un énorme problème de racisme dans le jeu vidéo. Enfin, il suffit de regarder. Les studios, à chaque fois, on n'est que des blancs. Il y a aussi pas mal de problèmes d'homophobie, parce que voilà, c'est un milieu pas très inclusif de base. Et le but du RIJV, c'était d'offrir des formations et un refuge pour ces gens-là, pour qu'ils puissent bah, aussi faire des trucs, ou même des game jams, tout simplement, qui se passent bien. Parce que c'est vrai que une game jam, ça peut être parfois intimidant. C'est aussi très masculin, donc le fait qu'il y ait des game jams un petit peu plus inclusives qui se mettent en place, ça permet de déjà casser cette barrière et faire en sorte qu'il y ait des jeux différents qui émergent. Fut un temps, il y avait même une cellule de soutien à toutes les personnes qui avaient subi des discriminations, où il y avait des écoutes et tout ça. Je crois plus que ça se fasse aujourd'hui, mais en tout cas, il y a encore pas mal d'actions qui se font, donc je recommande aux gens d'aller se renseigner. Et pour Women in Games, c'est une association beaucoup plus grosse, il y a quand même beaucoup plus de monde et plus de moyens. Et là, le but direct de Women in Games, j'ai l'impression, c'est d'agir sur les studios directement, de proposer des formations, de prises de parole en public, d'aider au CV, de faire du réseau aussi. Elles font pas mal de journées de réseautage pour justement faire en sorte que les femmes qui sont souvent exclues de ces réseaux puissent y accéder et potentiellement avoir des entretiens, trouver du boulot ou former des groupes avec d'autres femmes pour créer des structures. Donc là, on est vraiment sur une échelle un petit peu plus entreprise, je trouve. Et c'est aussi important d'avoir cet angle-là parce que c'est vrai qu'il faut aussi des actions de terrain à d'autres échelles. Donc voilà, Women in Games, elles font pas mal ce travail. Ouais. Voilà pour cette interview, merci de l'avoir écoutée. Si ça vous a plu, comme d'hab, abonnez-vous, commentez, poussez en l'air, soutenez-nous sur Utip, etc. Il y a 5 autres interviews qui vous attendent, vous trouverez leurs liens dans la description. C'était Flo pour Qu'est-ce que tu geeks? Salut! Soyez avertis que vu que là, enfin, c'est plutôt pour vous, mais quand vous mettrez l'interview en ligne, comme on a touché à des sujets donc de sexisme, tout ça, en général, ça fait des commentaires un peu folkloriques sous les Oui. vidéos. Donc voilà, Faut ça risque d'arriver. se préparer. D'accord.